why so serious? So raise your glass if you are wrong in all the right ways, all my underdogs. We will never be, never be anything but loud and nitty gritty, dirty little freaks. Won't you come on and come on and raise your glass? Just come on and come on and raise your glass. Hey, bonjour mes amours, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va, mais ça y est, il commence à faire gris, il commence à faire moins beau, moins de soleil. Donc c'est la dépression hivernale. Oui, on y arrive. Prenez vos vitamines, du jus d'orange, écoutez des musiques, voilà, qui donnent la pêche et qui apportent un peu de soleil. Parce que moi je suis très sensible à la dépression hivernale, ouais. En même temps, je suis lion, signe de feu, signe d'été, etc. Donc moi l'hiver, le plus loin possible. Du coup, qu'est-ce qui peut nous permettre de voyager et d'oublier un peu ce temps morose qui commence à arriver? La lecture. Oui mes amours, c'est un j'ai dévoré, j'ai lu. Vous connaissez la règle, je vous présente en fait mes lectures et je vous les classe par un ordre de gourmandise, puisque je suis gourmand, j'aime le chocolat. Donc, j'ai goûté, j'ai croqué, j'ai dévoré. Allez, c'est parti mes amours. La première gourmandise, mes amours, c'est La fille d'encre et d'étoiles de Kieran Millwood O'Grave aux éditions Michel Lafon. Donc déjà, rien que l'objet livre est magnifique. Moi, avec cette couleur orange, qui adore cette couleur, je ne pouvais que craquer. Et surtout, eh ben voilà, le travail éditorial est superbe, puisqu'on a des cartes colorées. Et surtout, la lecture est très agréable, puisque tout du long, vous avez des petites illustrations, des en-têtes de chapitre qui sont top. Vraiment, c'est sublime. Vraiment, on a tous ces petits dessins, ces petits traits. Vraiment, ça nous fait plonger au cœur de l'histoire encore plus, puisqu'en fait, c'est présenté et c'est écrit un peu comme un conte. En fait, on va suivre Isabella, qui vit sur l'île de Joya, que vous avez ici. Et le gouverneur qui gouverne cette île est pas très sympathique. Et il autorise personne à quitter l'île, ce qui ne plaît pas trop à Isabella, puisque Isabella, elle rêve d'aventure, elle rêve de découverte, elle rêve de voyager, puisque son père est cartographe et elle aimerait être comme lui, voilà, aller voir du pays, voir, parce que dans son passé, son père a vu beaucoup de choses, a beaucoup voyagé et a créé de magnifiques cartes. Et du coup, elle aimerait suivre un peu son chemin. C'est pour ça que ça s'appelle La fille d'encre et d'étoiles, puisque l'encre pour faire les cartes et les étoiles pour pouvoir se positionner sur les cartes. Donc voilà, son rêve c'est ça, ce qui la passionne c'est la cartographie et surtout marcher dans les pas de son père. Voilà, puisqu'elle admire énormément son papa. Mais voilà, elle n'a pas le droit de quitter l'île et surtout le village, entre guillemets, même si l'île est grande, eh bien, ils n'en connaissent qu'une infime partie puisque le reste est interdit. Donc du coup, c'est pas le top pour Isabella. Mais elle s'en contente jusqu'au jour où sa meilleure amie disparaît et elle disparaît dans la partie interdite. Et elle décide de rejoindre l'équipe de recherche puisqu'elle va proposer en fait ses services de apprenti cartographe. Donc voilà, et il va s'en suivre toute une aventure puisque sur cette île, il y a plein de mythes et de légendes qui vont en fait être assez réels et prendre vie. Donc voilà pour le résumé. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'ai ressenti sur ce livre? Eh bien c'est un « j'ai goûté ». Voilà, c'est-à-dire que j'ai apprécié ma lecture, je l'ai lu assez vite parce qu'en plus il est assez court, mais sincèrement je n'ai pas plus aimé que ça. Alors pourquoi? Parce que déjà je me suis pas du tout attachée au personnage. Je me suis vite fait attachée au personnage de la meilleure amie, mais le personnage principal j'ai pas accroché avec tout le reste. Il y avait de petits moments qui étaient agréables et sympas, mais je sais pas, il m'a manqué quelque chose, je pense
plus de profondeur au niveau de la légende et de l'histoire, des zones d'ombre par rapport à sa maman et par rapport à son frère jumeau qui sont décédés. J'aurais aimé qu'on exploite ça un peu plus, qu'on aille plus en profondeur sur ce sujet-là, ce qui n'est pas véritablement le cas. Et puis voilà, je trouve que ça se finit d'une manière aussi assez abrupte. On a envie de connaître la suite, du moins moi à la fin, j'avais envie de savoir ce qui allait advenir, etc. Donc voilà pourquoi ça a été un j'ai goûté. Donc c'est un très beau livre, autant en objet qu'au niveau de l'écriture, c'est vraiment comme un conte, donc c'est très bien fait, mais je trouve que ça manque de précision et de profondeur sur certains sujets qu'aborde le livre. Le suivant, nous avons Monsieur Popular and I de Andy A aux éditions Hachette. Donc ça c'est le tout premier roman que j'ai lu pour mon challenge, vous savez, 5 livres sous un fond scolaire que j'avais lancé en septembre et début octobre. Donc du coup de quoi ça va parler? Mais ça va parler de Léa qui est une jeune lycéenne qui va avoir la malchance de se retrouver à la rue du jour au lendemain avec ses parents puisqu'une invasion de termites va faire s'écrouler sa maison. Donc pas de bol, mais dans son malheur, une famille assez aisée et généreuse va les prendre sous leur toit le temps qu'ils puissent se retourner, que les assurances s'occupent de tout ça et qu'ils trouvent une solution. Donc voilà, elle se retrouve du coup dans une super chambre, hyper grande, luxueuse quoi, vraiment, entre guillemets, du jour au lendemain, elle change aussi un peu de vie puisqu'elle se retrouve à vivre dans une baraque hyper luxueuse. Sauf que cette baraque hyper luxueuse appartient au mec le plus populaire du lycée et le plus insupportable aussi, qu'elle n'aime pas du tout. Et du coup, elle est obligée de le côtoyer, puisqu'ils vivent sous le même toit du coup. Donc, qu'est-ce que ça a été? Ça a été j'ai boudé. Pourquoi j'ai boudé? Parce que sincèrement, hyper cliché. Alors, voilà, c'est vraiment sur le fond. Et pas, voilà, parce qu'il est court, mais genre j'ai pas mis 3 ans à le lire, en une semaine il était lu, donc c'est pas j'ai boudé, genre j'ai eu du mal à le finir, non, sincèrement, l'écriture est très simple, voire même un peu trop, donc je l'ai lu en 2-2, mais vraiment, le contenu, l'histoire, c'est trop cliché, c'est la fille, donc Léa, qui a de bonnes notes, qui est assez sage, assez tranquille, qu'on ne remarque pas, et bien qui du coup va se retrouver avec le mec le plus populaire, un peu bad boy du lycée, et du coup ils se détestent, ils s'envoient chier l'un et l'autre, vous ne savez pas trop pourquoi en plus, parce que sincèrement il n'y a pas vraiment trop de raisons pour qu'ils ne s'aiment pas et qu'ils s'envoient des pics comme ça dès le début, et puis du jour au lendemain, d'un seul coup, on ne sait pas trop pourquoi, et bien River, qui est, qui est ce fameux garçon, va être très attiré par elle et va l'embrasser d'un coup alors qu'il est en couple déjà. Voilà, et elle va tomber amoureuse d'un coup comme ça de lui. Voilà. Donc moi je trouve que l'histoire, la relation est trop rapide, trop légère, que c'est pas assez approfondi, c'est pas assez travaillé. Il y a deux idées plutôt sympa autour de River, voilà, par rapport à son couple du début et par rapport à un secret de famille, entre guillemets, que j'ai trouvé pas mal, mais qu'aurait pu du coup être mieux exploité et que l'histoire soit plus basée sur ça que sur l'histoire d'amour qui était très, vraiment, cucu la pralinette, très cliché, voilà, c'était trop, donc, certes, le concept était vraiment sympa parce que ça aurait pu être très drôle, très fun, avec plein de retournements de situation. Mais les personnages, et puis je trouve que les personnages en plus sont un peu creux, voilà. Parce que eh bien, c'est trop simple. Et du coup, la simplicité, eh bien, ça donne ce sentiment de ouais, que c'est creux quoi. Donc vraiment, j'ai pas du tout aimé. C'est pour ça que j'ai lu aussi très vite parce qu'il me tardait de le finir. Parce que j'avais l'impression que c'était une blague. Voilà, donc à essayer mes amours si vous, ça ne vous décourage pas, mais moi je vous le conseille pas. Ensuite j'ai lu Magisterium de Holly Black et Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. C'est une trilogie et celui-ci c'est le tome 1, l'épreuve de fer, qui va parler en fait, on va suivre un nouveau-né qu'on trouve dans une grotte glacée et où il y a gravé tuer ce bébé. Donc vous voyez ça commence fort et
C'est pas joyeux joyeux. Sauf que ce nouveau-né, on le retrouve 12 ans plus tard sous le nom de Callum Hunt. Et ce Callum Hunt est un garçon plutôt ordinaire qui vit une vie plutôt banale. Sauf qu'il a quand même quelques particularités. Il a des dons, un pouvoir qui grandit en lui et qu'il a du mal à contrôler. Donc du coup, il va devoir intégrer le magisterium pour apprendre justement à contrôler cette magie qu'il a en lui. Et voilà, et du coup il va découvrir des choses sur son passé, sur lui, sur l'univers du magisterium, qui est un univers, une école fabuleuse mais aussi un peu terrifiante. Donc voilà, et qu'est-ce que ça a été? Eh bien ça a été un j'ai croqué. J'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que l'univers m'a fait énormément penser à Harry Potter, mais tout en étant très éloigné. C'est-à-dire que oui, on a une école de magie, oui, on a des mages sorciers avec des pouvoirs, etc. Mais l'univers qu'il y a tout autour est totalement différent. Vraiment, ce n'est pas du tout la même magie, ce n'est pas du tout la même école, ce n'est pas basé sur les mêmes histoires. Alors oui, certes, il y a un grand méchant, un peu comme dans Harry Potter, Voldemort, mais ça n'a rien à voir. Les personnages aussi n'ont pas du tout les mêmes caractères. Alors après, c'est sûr qu'on retrouve quand même une équipe de 3, 2 garçons et une fille, et donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Mais ils n'ont pas du tout les mêmes caractères par exemple Hermione, Ron et Harry. C'est ça que j'ai aimé, ce n'est pas une copie. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a vraiment des surprises. C'est-à-dire que moi, à la fin, eh bien j'ai été bluffée. Parce qu'on vous oriente dès le début, par rapport au résumé et par rapport à de la façon dont c'est écrit et ce à quoi vous attendez, eh bien en fait, ils vous piègent. C'est-à-dire qu'à la fin, vous attendiez pas du tout à ça. C'est-à-dire que le héros n'est pas forcément le personnage à suivre et n'est pas forcément ce que l'on pense. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais vraiment, c'est très très bien fait et je regrette pas du coup d'avoir acheté toute la trilogie parce que je vais me régaler. Surtout que voilà, c'est du jeunesse, donc ça se lit très vite, c'est assez court, mais c'est bien fait, c'est bien écrit, vraiment en plus j'avais vraiment les images dans la tête, donc on a vraiment cet univers fantastique et magique qui nous enveloppe comme quand je lis Harry Potter et c'est ça que je voulais retrouver mais sans avoir de copie. Je voulais vraiment plonger dans un nouvel univers qui me transporte et ça l'a totalement fait. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est Jack Griffon de E.G. Follet aux éditions Hachette. Donc ça, c'est une saga. Le tome 2 vient juste de sortir là très récemment. Et on va suivre en fait Jack, qui est un jeune orphelin à Londres, mais le Londres victorien, puisque ça ne se passe pas du tout à l'époque contemporaine, je préfère le préciser. Et ce jeune orphelin, eh bien, voilà, il a une vie banal d'enfant des rues, c'est-à-dire vol à l'étalage, cache-cache avec la police, etc., etc. Mais ce qui n'est pas banal, c'est qu'il a deux pouvoirs. Il a la télékinésie, donc pouvoir déplacer des objets avec la pensée et voir et parler aux esprits, aux fantômes. Donc voilà, ça c'est le petit truc magique. Et il y a une femme, un jour, il y a un lord qui prétend être son oncle et qui veut le faire disparaître, et qui veut sa mort. Pourquoi? Ça, je ne vous le dis pas pour pas vous spoiler, et pour que vous ayez la surprise, mais du coup, ça l'entraîne dans une fuite, et surtout, il va tomber et découvrir un monde magique, rempli de créatures fabuleuses, de sortilèges, etc., etc. Et en apprendre, bien sûr, beaucoup sur lui, sur son passé, et sur ce qu'il est réellement. Donc, je vous le dis, c'est un « j'ai dévoré ». J'ai totalement aimé l'univers, c'est un univers qui est riche, qui ne ressemble et qui ne fait penser à aucun moment à Harry Potter. Ça, je préfère le préciser parce qu'en fait, je me suis plantée un peu pour le challenge, mais il n'y a aucune école dedans. On ne parle absolument pas d'apprendre à contrôler ses pouvoirs dans une école, etc. Donc certes, Jack va devoir apprendre à contrôler quand même les dons qu'il a, mais pas du tout dans une école, hein. Ça, je vous le dis. Tous les personnages sont agréables, sont attachants, sont bien faits. La magie qui est parlée à l'intérieur, j'aime beaucoup. C'est pas prise de tête, il y a un côté très enfantin mais en même temps très sérieux. Quoi, vraiment, en plus on parle de certains... voilà, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, ça se passe
dans ce Londres victorien, comme je vous dis, et j'aime beaucoup cette époque avec les calèches, les nobles. Ça parle aussi de la royauté, puisque la reine Victoria est présente, etc. Il y a vraiment tout un truc qui est fait et qui est très bien construit, même les créatures qu'on rencontre, les licornes, les fées, les griffons, vraiment un univers qui est riche autant en magie, mais aussi autant au niveau des personnages. Tous les personnages sont intéressants, tous les personnages ont quelque chose de particulier, ont une histoire et surtout ont une utilité dans l'histoire, et c'est ça que j'ai aimé. Vraiment, c'est un gros gros coup de cœur. Si vous aimez le fantastique, si vous aimez Harry Potter et que vous voulez lire quand même quelque chose de complètement différent, si vous aimez les créatures fantastiques, mais foncez sur cette saga. C'est un beau non. En plus, la couverture, moi je trouve ça sublime. Voilà mes amours, ce J'ai dévoré, j'ai lu est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir des titres, ou que ça vous a donné envie de les lire ou de les découvrir, ou si vous vous posiez des questions dessus, j'espère y avoir répondu. En tout cas, vous dites-moi comme d'habitude qu'est-ce que vous lisez et si vous aimez ou pas votre lecture en commentaire. Ça me fera plaisir et j'y répondrai comme toujours. En tout cas, moi j'ai eu vraiment un ascenseur émotionnel là ces derniers temps, puisque comme vous avez pu voir, j'ai un panel assez large. Vraiment les opposés, les extrêmes, des j'ai adoré et des j'ai détesté. Donc c'est vrai que c'est plutôt agréable que chaque lecture soit totalement et quasiment différente. Là j'ai commencé Hazelwood, que je vous avais présenté dans un book haul il n'y a pas si longtemps que ça. Le début est pas mal, j'ai lu 2 chapitres, ça me plaît, à voir. Je vous en parlerai de toute façon dans mon prochain J'ai dévoré, j'ai lu, comme d'habitude. Allez, je vous fais plein de gros, gros bisous, que je vous déborde. So raise your glass if you are wrong in all the